nous n'avons d'autre choix que d'aller à une réponse collective. Et votre présence ici, mesdames et messieurs, leaders traditionnels et religieux, acteurs influents de la société civile ainsi que de la presse, représentants du secteur privé, vous tous, mesdames et messieurs, votre présence ici rassure sur la poursuite de cet objectif indispensable pour une réponse efficace face à la COVID-19. Le gouvernement fonde beaucoup d'espoir en cette plateforme multi-acteurs qui aura une vocation d'évaluation, d'analyse et de proposition dans le cadre de la riposte à la COVID-19. L'objectif, je le rappelle, est de créer une synergie des efforts face à l'évolution de la maladie. Le Premier ministre vous remet ce lot, c'est pour inonder Bamako avec vos 6 communes, vos chefs de quartier, vos chefs religieux, et que demain tout Bamako soit inondé, et dans les mosquées et partout. Monsieur le gouverneur. Les masques sont particulièrement importants. Nous en avons aujourd'hui remis une quantité, une première quantité aux autorités du district à travers le ministère de la Santé. Et aux autorités religieuses, aux responsables de la société civile, aux responsables des femmes, enfin à tous les segments de notre société qui constituent les membres de la plateforme multi-acteurs qui a été mise sur pied ce matin et qui s'est replacée sous l'impulsion de la primature. Et les masques à cet égard sont particulièrement importants dans la mesure où ils participent en premier lieu à l'impératif et à l'urgence de la prévention. Il est souhaitable que ces masques soient portés partout. À chaque fois qu'il y a un regroupement, il faudrait observer cette mesure-là. Donc je vous remets ça pour les autres. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Les autorités de transition sont réellement préoccupées par la santé de la population malienne. Raison pour laquelle il a été créé une plateforme de riposte contre la COVID-19 au Mali sous leadership du Premier ministre aujourd'hui qui nous a réunis à la primature aujourd'hui afin que nous distribuions nous aussi à notre tour en nos structures différentes. La quantité qui va être distribuée porte sur 3 750 000 masques. Sur lesquels 1 750 000 sont des masques chirurgicaux qui seront remis au ministère de la Santé, c'est pour les médecins et les hommes de la santé. Il y a aussi 2 millions de masques qui sont des masques lavables qui théoriquement ont une durée de vie de 6 mois. Donc ces masques seront remis aux populations de manière générale. Si les Maliens respectent le port de masques, comme cela s'est passé dans d'autres pays, il y aura une baisse des cas. Protégeons-nous tout en protégeant les autres. C'est essentiel. Il faut impérativement que cela se passe. Et c'est pourquoi il y a eu cette distribution massive de masques qu'il y aura aujourd'hui. 3 750 000 masques seront mis à la disposition de nos compatriotes. Je pense que de cette façon-là, dans l'unité, dans la conjugaison des efforts, dans la mutualisation des efforts, je suis sûr et certain que le Mali viendra à bout, pourra endiguer précisément la propagation de cette terrible maladie.